smaller than that. C'est pas une pisciculture, mais c'est de l'huile de coude. Alors encore une fois, ce n'est pas la panacée du détachant, il y a trois tâches pour une fois, c'est la peinture, l'encre de chine, le vernis. Hein. Là, c'est mi-voici-donc. Même si j'envoyais le premier lourd, je ne serais pas différent pour autant. Alors là, on va détacher déjà pour les peintres, on va voir, normalement, un tapis. Alors encore une fois, ce n'est pas spécifique au tapis, c'est également un parcours qui peut se faire à l'envers, avec une sorte de cacophonie, c'est pas évident de faire la démonstration, il faudrait que je rush le dentiste. Bon, on continue celle-ci. Alors, je vais me mettre carrément, regardez, le filtre de la vignette, c'est mille fois plus fin qu'un tissu, c'est encore mille fois plus fin que de la soie, que de la bandit, que d'alpaga. Si parmi vous, vous portez de la soie, vous serez en mesure de la détacher sans la décolorer. Mais d'abord, on va passer à un coussin. Voilà, au siège voiture, par exemple, quand vous faites de la mécanique et vous oubliez de mettre, par exemple, la housse. Alors, c'est la soupe à la grimace par Babonne. Oui, t'as pas vu, t'as taché. Alors ça, c'est l'histoire de maman qui prépare le bœuf mironton pendant que bébé fait des bêtises au salon. Voilà. Maman prépare le frichti à son mari chéri, par exemple, un bœuf bourguignon. Elle arrive dans le salon, bébé a amené la créativité dans la bêtise. Bébé a poussé son prix primal et quand il s'est orienté, bébé s'est dit, il est quand même plus pratique de travailler sur un canapé que sur un caillou. Et puis où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein? Voilà. Alors voilà ce qu'on peut obtenir quand bébé a amené cette créativité. Rien de violent, c'est qu'il est en bonne santé. On n'a pas à s'inquiéter. Bon. On va prendre un chiffon. C'est pas moi l'inventeur. On va prendre un chiffon. Et vous allez voir qu'avec un chiffon, quand on prend ce chiffon, le chiffon, on le jette. On jette le chiffon. On va prendre ce chiffon, il va faire aimant et tampon. Il parle, c'est un gamin qui parle. Bonjour monsieur, comment ça va? Non, non, il a ses vérités, cet enfant. Alors, quand je parle de l'histoire du plombier qui a investi dans un scanner pour mesurer la teneur du calcaire, actuellement on en parle dans les chaumières, c'est délirant, c'est fou, et par moments Maître Yvon soufflait dans un bignou. Dans les grands arbres tout nus que vous pouvez le verre, la biche brame au clair de lune, les fleurs à se confondre les yeux. C'est normal, elle n'est pas passée chez l'Issac, mais j'ai demandé l'Issac à personne. Hein. Des îles, Miguel, hein. Pour pousser, hein. Bon, alors regardez, je vais mettre directement un petit peu de produit, et puis ma foi, je vais essayer de tenir un résultat. Alors là, je l'ai fait exprès, il y a des taches anciennes, il y a des taches fraîches. Contrairement à ce qu'on pense, on se dit, il est plus facile d'enlever une tache fraîche. Non, parce qu'une tache fraîche, on ne fait que de l'étaler. Une tâche ancienne, on va en juger par la démonstration, on va l'enlever tout de suite. Il suffit simplement de mettre la verre d'un mouchon pur sur la tâche, de prendre le chiffon qu'on a érecté au préalable dans l'eau froide, jamais dans l'eau chaude. Le saponaire rentre carrément dans les fibres du tissu et détache en profondeur comme ceci. C'est un produit qui est très volatile, on n'a donc pas besoin de rincer. J'ai mis un petit chiffon sec, on est sous, c'est terminé. Maintenant, passons à la tâche fraîche. C'est quand même copieux, monsieur, hein. La maison recule devant aucun sacrifice, hein. Voilà.
Eh bien, ma foi, c'est de l'huile de coude, il faut quand même frotter. Mais on va s'apercevoir tout de suite que quand on frotte en rond, on écarte ses fibres et à partir de là, le produit va dire bonjour à la tâche. Voilà, c'est pas bien violent. Alors encore une fois, j'ai bien dit, ce n'est pas la panacée du détacheur. Faut pas croire que ça enlève la peinture, faut pas croire que ça enlève le vernis, et ni l'encre de Chine. Je serais un menteur. Mais il a quand même son efficacité, c'est un bébé qui a quand même voyagé, qui a de la conversation, de la correspondance, un peu partout. Hein. Alors regardez, le saponaire rentre carrément dans les fibres. À partir du moment où il rentre dans les fibres, vous détachez en profondeur comme ceci. Bon maintenant, le billet.